Alors, on va peut-être réduire un peu la cam. Voilà. Et un mec qui m'envoie un message. Pénis. Attendez, j'ai reçu un message. Prochain jeu acheté et qu'on va tester sur la chaîne, c'est Enter the Gungeon. C'est un roguelike que je trouve vraiment sympathique. On va tout de suite éteindre ça, on s'en bat les couilles, c'est une luminosité dégueulasse. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est plutôt sympathique. Alors j'espère que la qualité du micro est ok cette fois. Attendez. Je sais pas comment voir le truc. Attendez. Ok, donc normalement le micro est ok parce que c'est bien mon micro là qui enregistre et pas celui de ma webcam. Parce qu'il y avait du problème où mon micro est toujours branché et parfois il split, enregistre sur celui-là et swap sur l'autre. Et comme ça en mode voilà. On va faire play. Ah, j'ai pas choisi ma partie. Ok. La petite musique d'ascenseur qui met bien. Alors, quest. Not the time, non, non, non. Crafty contact. Alors, je vais checker à l'endroit où il y a la map. Donc, on va tout de suite faire E. Et ça a changé. Oh la vache, il y a plein de trucs qui ont changé. C'est quoi ça? Ah, on peut choisir si on veut afficher des trucs. Merde. Ok. Ah bon, on a débloqué un pouf là direct instant. Putain, ça a changé. Je me demande s'il y a des nouveaux trucs. Si ça vaut plus le coup de recommencer une partie ou pas. On va continuer comme ça dans cette partie. Peut-être que j'en referai une. J'essaierai de voir s'il y a vraiment eu des trucs, des gros changements au niveau de l'aventure. C'est vrai qu'on avait ça à crafter. On a la nouvelle armure à crafter parce qu'en fait, on a l'armure en bois. Faudra qu'on crafte la nouvelle. On ouvre, faut qu'on aille vers là. Ok, on fait des petits coups critiques comme ça. Donc là on a tué deux Wompit pour récupérer du leur peau pour en faire des armures. On va récupérer du bois aussi. Parce que le bois qui est plutôt utile. Donc ouais, je mets ma cam là. Donc en fait la cam cache le bouton menu qui est pas forcément très important. Par contre on va bouger ceci ici avec ceci. Ici. Et ah ouais merde, j'ai pas vu qu'il y avait ça aussi. On va le bouger, on va le mettre là. Donc voilà. Voilà, j'avais pas vu. Merci les gens sur le chat.
Merci à vous. Je vais pas vous mentir, en ce moment on a du mal, j'ai du mal à publier mes vidéos parce que en fait je suis obligé de filmer, j'en ai pas beaucoup en réserve. Et en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a terminé notre deuxième let's play sur la chaîne. On va bientôt en démarrer on va bientôt en finir prochainement un autre, hein, parce que notre but c'est quand même de terminer ces let's play. Mais c'est assez compliqué de s'attaquer à des let's play comme ça, parce qu'en fait sur la chaîne on s'est amusé à s'attaquer à plein de let's play parce que voilà, moi comme pour Francky je pense que c'est un peu pareil, je me suis trompé, pour Francky ou pour moi, en tout cas pour moi c'est comme ça que je vois, c'est qu'un jeu vidéo me lasse très rapidement. T'as des jeux vidéo où je vais pouvoir rester dessus pendant des heures, m'amuser pendant des heures, et il y a des jeux vidéo comme c'est vrai qu'il est agressif, lui, ce con. Oh la vache. What? Ah, je suis mort. Ok. Alors, je suis mort, je sais pas comment. Donc, on va aller vers là. Parce que j'ai appuyé sur S et ça voulait pas donner mes HP. Bien dommage d'être mort. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va retourner. Pas tuer le monstre parce que le monstre, bon, ouais, je pense qu'il a récupéré ses HP, mais récupérer le stuff, quoi. Parce que ce serait cool si on le récupérait. Merde, j'ai cliqué, j'ai pas vu. Je crois que je suis passé dessus. En fait, je suis retourné parce que t'avais ma soeur qui est venue pour m'apporter un truc sympathique. Ah, mium mium. D'ailleurs, attendez. J'ai fini mes céréales. Un gros porc, je sais. Elle n'avait pas fini de bouffer alors que la pause reprenait. Attendez, attendez, parce que là, il y a un gros problème là. J'ai récupéré mon stuff? Ça a l'air. On me bat les couilles des monstres là. Ils sont vraiment chiants eux par contre. J'ai zappé le début en fait donc je comprends pas ce qu'ils disent, je m'en bats les couilles. Ah! Ok, j'ai compris. Je crois qu'ils disent qu'ils veulent que je plante. J'ai compris. Ah putain, je suis empoisonné. Je l'ai encore ou pas le bonus? Si je l'ai encore pendant un certain moment, ça va bientôt partir. On en profite, hein, même s'il y a les monstres là, c'est assez important les ressources. Ok, on l'a pu. Donc là, on va se barrer. Il a dirt en bas, donc on va les récupérer. Pardon, monsieur. C'est un peu plus bas. Ah, on a des constructions. Alors qu'on peut. On n'a pas le droit de les péter si j'imagine que c'est pareil. Ouais, on n'a pas le droit de les péter. Par contre, on a. On a genre. On avait plein de trucs là. On a droppé des trucs. Attendez. Et si je vais sur W? Ah, je peux pas take. Je peux pas prendre les ressources, donc c'est bien ça.
Le jeu bloque l'accès aux ressources, comme ça tu n'abuses pas. Voilà, ça fait des petites. À mon avis, c'est pour genre, tu peux dire que tu peux construire ta base sur une autre base. Parce que je me rappelais qu'on pouvait. Je pouvais aussi prendre des ressources. Et là, on a trouvé une forme de vie. Ça y est, on a. Can you feel the power? No. J'aime bien le dialogue de gros sourd, tu vois. Le mec est dans sa baraque, la juice box est à 10 mètres, et le gars il est là, et tu vois, les gars ils s'adressent comme ça, tu vois. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, je. Alors. Attendez. Je vais re-regarder la quest. Bref contact. Alors. Auto outside. Donc là, ils ont pas confiance avec moi. Ils ont pas confiance en moi. Ce que je me rappelais, c'était ça. Ils ont pas confiance en moi, et en fait, je dois faire les quêtes. Tous les petits copains là qui se trouvent à côté pour les aider et voilà. Ok, j'ai accompli une quête. Voilà. Donc là, on va avoir plein de nouvelles quêtes et quand on aura tout accompli, lui, il nous reparlera. J'essaye de lire entre les lignes, hein. Je suis pas très très bon en anglais, mais ça va, je me débrouille quand même parce que j'ai assez bien avancé dans le jeu. Ok, le Crafty Woods. On va aller voir le dernier qui va nous donner une troisième quête. Donc là, on n'a pas beaucoup avancé. Ok, donc là on va retourner chez lui, on va fermer la porte pour éviter qu'il y ait les monstres. Ah, et ça, on voudrait le prendre aussi, je crois. Lui, il voulait le prendre. Hop là. Menu. Résume. C'est pas ça que je voulais faire. Il est 9h du matin dans le jeu. Ok. Alors, quest. On a plusieurs quêtes, on en a trois, on a terminé une. J'essaie de retourner à ma base. Et après, on va s'attaquer aux quêtes. En sachant que pour l'instant, on n'a que la quête de Burl House qui est affichée. Faudrait qu'on avance aussi dans la construction de notre maison, la mise en place d'une maison un peu plus résistante que ça. Faudrait presque me faire un plastron. Attends, est-ce que j'ai déjà un showboard? Ça me dit pas que j'en ai. Attendez. Ok. J'ai pas beaucoup d'armure quand même. Hein. Alors, on a ça qu'on peut craft. On a quoi? On peut faire des murs. On peut faire des trucs comme ça. On peut craft ça. On peut en craft 1. 4, je veux dire, parce que c'est des trucs de 4. On va les prendre. On va faire W. Moi, je n'ai pas un raccourci. On va les écarter un peu parce que je me rappelle que je les avais mis un peu proches moi. Et on va refaire W parce que je me suis trompé. Il fallait pas que je me barre. Là, comme vous pouvez le voir, on plante des petits trucs. On va faire aussi nos pierres tombales. Chaque fois qu'on meurt, on en pose une. Comme ça, il y aura un petit cimetière. Moi, franchement, j'ai fait un petit cimetière moi, dans mon autre partie. Je peux vous dire qu'il est plutôt grand. Et je m'en félicite, tu vois, c'est ça montre le nombre de fois que je me suis chié dessus. Ok. On va craft ça, build.
Alors, les violettes. Excellente. Excellente. On va l'équiper. Elle a l'air beaucoup plus puissante. Alors lui. Alors lui, ça a l'air d'être un truc de base. Vampire chance, ouais, il y a deux trois petits trucs qui changent. Berserk chance, ok. On va quand même l'équiper. Même si, comme vous le voyez là, les items, à mon avis, tu peux en craft plusieurs pour essayer de tomber sur, on va dire, le bon quoi. Ok, on va craft ça. On va craft. Je sais pas si on peut craft un autre truc. Non, on peut rien craft d'autre. On va voir si on peut craft ceci. Et on va commencer un petit peu à modifier la baraque. C'est chiant ça, hein, que on n'est jamais assez là. On va rebuild. Bah les couilles. Donc là on fait un petit peu de la construction. J'essaye de mettre à jour un peu la maison. Pour qu'elle soit plus appréciable. Ok. On va faire ça comme ça. Donc là on a un assez grand terrain. On va tout de suite revenir à ça. On va faire deux petites portes de chaque côté. Normalement, je voulais tester un truc. Déjà, là, on peut pas passer parce que j'ai posé les trucs là. Donc, ça, c'est bon. Pour l'instant, ça, c'est bon. Les portes. Donc, vous voyez que si je clique comme ça, les portes peuvent monter ou descendre. On peut pas les mettre dessus. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ça va. Là, la maison commence à prendre un peu forme. Même si j'aimerais bien. On va tout de suite faire un truc d'abord avant de se barrer. Vu qu'on a une nouvelle arme, j'aimerais bien track. Ceci, tweaking. J'ai aussi la nouvelle arme qu'il faudra que j'essaye. Donc voilà, on a tweaking ça pour voir. Comme ça, je me dis à peu près, j'ai assez pour faire ça. Faut encore que je fasse les jambières plus les coudes. Donc on a encore de la marge quoi. Les dirt, ils sont vraiment importants si vous voulez vous faire des champs juste à côté pour pouvoir farm à côté quoi. Ouais, là c'est une grosse bonne arme de bourrin. Elle est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que je peux enchaîner les mobs comme ça. Je sais pas si... J'ai pas trop été par là. On va aller voir. Alors, toujours hein, des items de décoration. Le jeu quand même est bien construit au niveau de la décoration. Tu peux faire quand même beaucoup de trucs, je trouve. Pour moi, le jeu est toujours. Il n'y a pas eu vraiment de mise à jour depuis. Et le jeu est pour moi trop axé sur ses bases. Qui sont pour moi. Notre jeu de base, c'est un jeu sur téléphone. Voilà. On l'a remis sur PC. Ça marche bien. On va pas chercher plus loin. Donc, c'est pas que je suis déçu du jeu. Mais bon, il pourrait quand même faire un effort. Quand tu vois ce que Don't Starve ou d'autres jeux font. Alors, je suis d'accord. C'est dans la même lignée. C'est des jeux de survie. Mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter de dire que tous les jeux de survie se ressemblent. Il y a quand même une différence là dans le gameplay de celui-là et de Don't Starve. Don't Starve, je m'amuserai jamais à m'attaquer aux monstres. Déjà, tu peux pas esquiver les coups. C'est beaucoup plus stratégique et. Franchement, Don't Starve, je me dis, mais. C'est vrai que Don't Starve, t'as tout le temps peur de t'attaquer à un monstre. Et quand tu t'en attaques un, tu dois subir les conséquences de ton attaque qui sont vraiment importantes. C'est pas des petites conséquences comme ça ou. Je tape, hein. Merde. Je me suis pris un coup.
On prend toutes les ressources parce que franchement dans le jeu, ce qui est bien, c'est que tu peux porter autant de ressources que tu veux. Alors vraiment, faut en profiter quoi. Franchement, dans les jeux où tu peux pas porter de ressources, c'est vraiment très très chiant. Par contre, lui, il va me casser les couilles. Alors là, on a tout couvert une nouvelle zone. Non, putain, je confonds en fait à cliquer là. On a découvert des petits personnages, donc on va prendre les fleurs parce que voilà, les fleurs nous redonnent de la vie. Ah, the purple flower walking around, do you call of color? Text is Marlene, is it a vu crash air from a planet? Alors, il m'a donné un truc. Alors, je sais pas s'il m'a donné une quête clairement. Il m'a dit en gros que genre je suis un alien, machin, je viens d'une autre planète. Crafting what? Si, il m'a donné une quête. Effectivement, il m'a donné une quête. Huggy me down. Pearl's Home. On va aller à la maison. On va faire la quête et on va peut-être s'arrêter bientôt hein, parce que là le temps passe plutôt vite sur ce jeu. On fait un peu rien et le temps passe. Un peu n'importe quoi. Alors c'est un peu plus bas. Et je peux vous dire que là, ça va faire longtemps que je suis pas allé dessus et je vois qu'il y a quand même des petites différences au niveau du game. Putain, mais mec, en fait, je suis bloqué. J'étais bloqué parce que j'ai cliqué. Ah, c'est. En fait, je voulais ça, moi. Attends, ta gueule, j'aimerais péter la gueule au monstre. Ah, par contre, je suis tellement lent. Ok, alors là j'ai droppé. Ok, j'avais un symbole sur moi, genre je suis en rage. Alors là on a de la pierre, on n'a pas le droit de le. On peut pas la péter parce qu'on n'a pas de pioche. On n'a pas encore appris à crafter des pioches. Peut-être plus tard. Peut-être même plus tard, sûr et certain. Donc là il va me redonner un truc pour dire que voilà. Hein, il m'en donne un encore. Voilà, donc ça c'est des trucs que tu peux balancer sur les gens, je crois. Donc, au fur et à mesure du jeu, le jeu te guide quand même. Il est vachement guidé dans l'idée que t'as fait ça, bah tu vas pouvoir continuer parce qu'on va te donner de quoi continuer quoi. Donc là on va vers la maison de monsieur, donc la Burl's Home. Donc si je me rappelle bien, je sais plus trop que c'est du tout ce qu'il faut trop faire dans cette quête. J'ai pas envie de m'agresser au monstre là. Il y a trop de mobs pour. Ok, il m'a foutu dans la merde. Il est passé devant moi. Alors que je voulais qu'il enregistre. Je sais même pas pourquoi il m'agresse en fait. Je lui ai rien fait, il m'a. Voilà, regardez, il m'agresse complet. Casse-toi. Non, mais en fait, ça va être infâme. Oh putain. Ok, on bloque le passage pour éviter qu'il y a d'autres clampins qui arrivent. Ah là là, ils m'ont fait chier, hein.
Ouais, c'est ça. En fait, faut vider la maison. Attendez, la quête, elle est où? Donc voilà. Donc en fait, là, Burr, il peut plus aller dans sa maison. À ce que je me souvenais d'avoir compris. Et il te demandait d'aller virer les animaux. Je sais plus trop parce qu'en fait, il y a deux Burr, je crois, qui te donnaient une quête, genre nettoie ma maison et une autre reconstruit ma maison. Alors je sais plus si c'était celle-là ou l'autre. Je sais que je me rappelais que j'avais fait une quête comme ça aussi. C'est moi, il m'a donné une quête où je devais réparer sa maison, en fait, la reconstruire. Voilà. Claquer mes ressources dedans. C'est marrant. Je dirais que je le tape quand je lui parle, tu vois, je lui donne un petit coup. Il est content. Il m'a donné une pioche, une pickaxe, pour qu'en gros je prenne ça. Je crois. Pas sûr. Je sais qu'avec la pickaxe, je pourrais prendre ça et je crois que plus tard on le prend. Donc on m'a donné le craft. C'est plutôt cool. C'est sympa, la map. Il y a eu quand même des petites mises à jour. Tu vois, j'ai pas critiqué à 100%. Ils ont quand même fait des petites mises à jour de quoi apporter du petit contenu. On aurait aimé plus. Alors attendez, on va faire W. En direct, tu vas en construire d'autres. Parce que je suis baisé. Donc voilà. Donc là, on a notre petite maison qu'il faudra bien sûr éclairer plus tard. Je ne sais pas quand on va faire ça. Alors, on a la pickaxe. Pickaxe, c'est pas là. Alors, on peut la build maintenant. Alors, je sais pas si on peut build ça. Si on peut build ça quand même. Ta-da-da-da. Ok. Donc ça, c'est cool, on a build. Donc voilà. Ah, on a un truc plus intéressant que notre plastron. Acceptable. Donc là, on commence à avoir notre petite armure et on va tout de suite build ça aussi. Avant de se quitter. Donc ça, c'est quoi? C'est un œuf de Wumpit en fait. Et donc, en gros, on va avoir un petit Wumpit, donc un petit familier qui va pouvoir nous suivre. Dans notre aventure de Crashland. Non, je voulais mettre là en fait. Voilà. Il spawn dans 5 minutes. Alors, j'ai pas encore droppé de glow juice. Je crois que la glow juice, ça va sur les monstres flottants. Les sortes de trucs là. Faudra que j'en tue. Il faut que je reprenne du bois pour me crafter des plans. Donc je vais tout de suite track ça pour le bois. En sachant que j'ai 24 fleurs, donc je peux m'en faire plein des petits pots de fleurs. C'est vraiment utile. Genre je pourrais m'en faire un petit champ. Faut aussi que j'essaye de récupérer de la comment ça s'appelle? Ah oui, c'est ça. De la dirt, il m'en faut deux. Un champ un peu plus imposant. On continuera vers là. Ah, ça a gigoté. Oh, ça gigote. Ah, ok, 4 minutes. Donc voilà, on s'arrête là. Donc je vais faire main menu. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était une petite session comme ça sur Crashland. Ce que j'en avais envie. J'avais envie de retourner sur ce jeu. Moi en tout cas, ça m'a plu là. Donc voilà, donc là on va avoir notre familier. On va pouvoir continuer les quêtes qu'on m'a données. Un peu partout, donc il y a vraiment des quêtes assez différentes. Alors j'aurais extrêmement du mal, oui, à comprendre un peu l'anglais, parce que je suis quand même une brêle. De toute façon, après, si vous voyez que je me, de toute façon, après vous verrez que comment dire ça, je suis nul en anglais, mais je me démerde quand même un peu. J'ai quand même un petit peu de vocabulaire, mais c'est vrai que j'ai, en fait, c'est des moments où l'anglais me sert pas que je vais savoir des trucs en anglais, par exemple. T'as des gens qui posent une question en anglais et toi qui posent des mots en anglais
et je vais savoir le mot comme ça. Et le moment où j'en ai vraiment besoin de ce mot, bah j'en m'en souviens plus du tout. Et c'est au moment où je vais le voir dans un dico ou un truc comme ça que je vais me dire ah ok oui c'est oui. Déception. Donc salut à tous.